Une trentaine d'aumôniers, désormais médiateurs de paix et facilitateurs de justice, pour renforcer l'éducation spirituelle à travers des sensibilisations dans des prisons sur les dangers de la drogue et pour la résolution des conflits familiaux afin de transmettre des messages d'espoir et de vie. Ces personnes qui sont sorties aujourd'hui au Congo-Brazzaville sont appelées à travailler dans le cadre des prisons, des malades, des hôpitaux, également des drogués. Parce que le phénomène de drogue en Afrique subsaharienne n'est plus simplement un phénomène de santé publique. Mais nous allons les sensibiliser sur les effets néfastes de la drogue. Nous essayons également de pouvoir les amener à sortir de cette drogue. Parce qu'il y a plus de méthodes répréhensives que de méthodes de sensibilisation. C'est pour ça qu'au niveau de la CONASIS, Chapelain Global Corporation, nous formons des hommes de Dieu qui vont aider ces personnes qui sont addictes à la drogue, leur montrer la voie de sortie. Quant aux aumôniers internationaux de CONAS Chapelain, ils rassurent de mener à bien leur mission. La sensibilisation spirituelle, c'est ce que nous faisons déjà d'habitude, mais peut-être ici, avec la dimension qu'il faut le faire davantage. Nous devrons donner des messages qui puissent évidemment orienter l'Église de plus en plus vers l'action, parce que Jésus était un homme d'action. Nous avons plusieurs charges, notamment en tant que juge de paix. Nous établissons la paix parmi les nations, parmi les peuples, et nous réconcilions le monde avec Dieu, et nous conseillons beaucoup de gens. Ils ont des problèmes sociaux, spirituels, matériels, financiers, et nous leur venons en aide. CONAS Chapelain est une organisation internationale qui promeut les valeurs morales et spirituelles à travers le monde, et ainsi contribue à aider les États, par exemple dans la réinsertion sociale.